Eh bien, je vous propose de commencer. Donc, re-bienvenue à tous. Donc, je m'appelle David Da Silva, en charge de l'activité simulation au sein de Kionis. Donc, le webinaire d'aujourd'hui est consacré aux capacités de simulation de CFD et plus spécialement au rôle disponible au sein de la 3D expérience. Donc, je pense que certains d'entre vous commencent à être habitués. Nous avons mis en place au sein de Kionis des webinaires récurrents sur le domaine de la simulation, design et system engineering. Donc, ces webinaires ont lieu deux fois par mois, les mardis, de 11h30 à midi. Et donc, bien sûr, si vous avez des idées de sujets ou de thématiques, n'hésitez pas à me contacter directement par email. Vous retrouverez mon adresse email en bas et en fin de présentation. Petit rappel, si vous voulez avoir un suivi de l'activité ou des news sur le domaine de la simulation, vous pouvez connecter sur kionis.com/simulation. Vous trouverez une base de connaissances, des articles, des détails sur produits de simulation. Donc n'hésitez pas à aller voir effectivement et de suivre un peu l'actualité. Vous y retrouvez des tutoriaux. Et puis concernant la thématique d'aujourd'hui qui est la CFD, vous pouvez par exemple revoir le webinaire qui a eu lieu en fin d'année dernière sur Xflow, qui est un produit racheté par Dassault Systèmes que je vous présenterai brièvement en fin de présentation. Alors, l'agenda d'aujourd'hui. On va aujourd'hui se focaliser donc sur les capacités de CFD et principalement sur le rôle Fluid Mechanical Engineer disponible au sein de la 3D Experience. Donc, enfin, je vous ferai un rapide historique sur le domaine de la CFD au sein de Simulia. Simulia est très reconnu sur la partie calcul de structure et effectivement, il y a quand même pas mal d'actualités et d'évolutions dans le domaine de la mécanique des fluides. Deuxième partie de la présentation, ça sera plutôt focalisé sur comment retirer ces barrières pour passer, pour la plupart d'entre vous qui sont des ingénieurs calcul de structure, à la CFD. Donc, quelles sont les barrières qui vous permettent de passer au domaine du fluide, et puis également donc les capacités de co-simulation, qui est un vrai différenciateur offert par nos solutions, et puis un rapide élargissement à Xflow et savoir comment positionner Xflow par rapport à la solution qui va être présentée aujourd'hui et comment elle peut apporter une complémentarité. Alors, rentrons maintenant sur effectivement l'histoire de Abacus CFD. Effectivement, ceux qui sont utilisateurs d'Abacus connaissent les solutions d'Abacus CFD qui ont commencé dans Abacus en 2009 avec l'intégration dans les licences Abacus de la technologie de mécanique des fluides, puis qui a été développée et enrichie pour adresser principalement des problématiques de fluide structure ou de CHT. Donc l'objectif était de mettre à disposition d'ingénieurs structure des capacités de thermique. Suite à ça, effectivement, donc on a eu en 2013-2014 l'arrivée sur la plateforme de capacité de CFD. Et effectivement, en 2016, il y a eu une forte accélération. Il y a eu effectivement ce jalon-là qui est important. Effectivement, les capacités d'Abacus CFD disponibles dans Abacus Structure ont été retirées pour être totalement intégrées sur la plateforme. Alors, pour plusieurs raisons, hein. Une des principales raisons, c'est d'avoir un environnement plus lié à la CAO et d'offrir des capacités de maillage plus éprouvées. Il faut savoir qu'à cette date-là, Dassault s'est très très fortement investi en termes de R&D, ont multiplié leurs équipes par deux et ont refondu complètement l'architecture. Donc il y a un très gros travail de R&D dans ce domaine-là. Alors, maintenant, si on fait une vision globale, quelles sont les capacités de CFD
au sein de notre système. Donc, on va pouvoir retrouver, je dirais, trois catégories. On pourrait l'aspiter celle-ci en deux, donc on pourrait dire quatre. La première, c'est être en capacité de faire des simulations de fluide sur une approche système ou une simulation 0D. Donc on ne cherche pas à voir le comportement d'écoulement de fluide dans un modèle 3D, mais plus intégrer dans des systèmes complexes, multiphysiques, des comportements de fluide. Donc là, effectivement, on va plutôt utiliser la technologie d'Imola qui permet de faire des simulations 0D, plutôt avoir une approche système. Ensuite, la simulation d'écoulement, ce sont des capacités qui sont toujours disponibles dans Abacus, mais au travers des technologies CEL, SPH, DEM. Donc, en quelques mots, hein, le CEL, c'est le couplage eulérien-lagrangien. Donc, on va faire l'interaction entre le fluide structure. Concrètement, en termes de méthode numérique, il s'agit de méthodes explicites. C'est le solver à Abacus explicite qui donne ses capacités de simulation des commandes de fluide et qui va très facilement interagir avec la structure, d'où le terme couplage eulérien-lagrangien. On va retrouver aussi la modélisation du SPH. Donc là, on va modéliser sous forme de particules un écoulement. La particularité ici, c'est qu'on peut modéliser un milieu continu ou un écoulement de fluide. Donc le SPH, on va le retrouver dans l'application plus structure, par exemple, lorsqu'on veut faire l'impact d'oiseaux sur une structure. Et pour avoir le maillage qui va venir se distordre très fortement, l'approche SPH peut être pertinente. Mais ça peut être aussi utilisé dans des écoulements, avec, pour info, récemment l'ajout de la fonctionnalité de définir un inlet ou un outlet sur le SPH. Alors qu'auparavant, il fallait prédéfinir la zone fluide qu'on venait pousser. Maintenant, on peut avoir des zones d'entrée et de sortie de fluide. Donc vraiment avoir une approche plus qui se rapproche des applications CFD. Et le DEM pour Discrete Element Method, donc il y a une approche où on vient modéliser des particules, plutôt pour modéliser à la base des granulés, pour tout ce qui est loi de mélange par exemple. Donc ça c'est disponible dans Abacus et ça a été enrichi par des lois de cohésion qui permettent d'avoir un comportement plus orienté fluide. Donc il y a déjà des capacités qui sont toujours disponibles dans Abacus, mais les méthodes de CFD de type Volumphony, basé sur Navistock qui existait jusqu'à la version 2016, ont été retirés pour être intégrés sur la plateforme. Et donc ces technologies qui sont des technologies basées sur les équations de Navistock, donc c'est ce qui va être présenté aujourd'hui. D'accord? Donc là, ici, on est vraiment sur le domaine de la mécanique des fluides, donc quelque chose qui est quand même bien connu, bien utilisé, démocratisé. Également, les technologies dites de Lattice-Boltzmann, donc c'est des méthodes basées sur des particules, donc sans maillage, qui font suite aux acquisitions des deux technologies phares sur le marché qui s'appellent EXA, PowerFlow, et XFlow. Donc ce sont deux technologies similaires avec quelques différences, mais qui sont effectivement basées sur cette approche Lattice-Boltzmann, à différence des méthodes de résolution des équations de Navier-Stokes. Donc, ce qui fait aujourd'hui un portefeuille et des capacités de simulation de CFD très large, d'une approche 0D jusqu'à les capacités de simuler des comportements de fluides transitoires et turbulents très poussés comme peut offrir XFlow et EXA. Donc, le webinaire va se focaliser plutôt sur la solution de la 3D expérience basée sur une équation Navier-Stokes. Donc, le point important également, c'est que ces solutions-là, cette complémentarité de ces solutions-là, donc ces simulations, modélisation 0D, simulation CFD classique, va pouvoir interagir ensemble et communiquer au travers effectivement de co-simulations. Donc on va pouvoir très facilement modéliser par exemple un système de contrôle qui va piloter une simulation CFD en co-simulation. Et donc ça, on va utiliser ce qu'on appelle le Multiscale Experiment Creation, qui est l'atelier qui permet de faire les couplages multiphysiques.
C'est aussi pour information ce type d'atelier qu'on va utiliser pour faire le couplage Abacus explicite, Abacus standard en co-simulation. Donc, c'est la plateforme globale de co-simulation proposée par Dassault au sein de la 3D Expérience. Donc en résumé, en termes de capacité pure de CFD, donc la stratégie de Dassault est de proposer deux solutions pour deux types d'applications quand même différentes. Les méthodes basées sur les équations de Navistock, plutôt dédiées pour calcul classique de CFD. Alors quand on dit calcul classique de CFD, c'est tout ce qui est calcul de perte de charge avec peu ou très peu d'effets de turbulence. Donc, c'est des applications, entre guillemets, démocratisées de la CFD, basées sur des méthodes de maillage qui apportent une facilité et une convivialité de mise en œuvre. Donc, ça, c'est un point important. En termes de technologie, donc on s'est adressé différents types de problématiques, on le verra dans la suite de la présentation, mais on est capable de modéliser des écoulements de fluides à viscosité non newtonienne, par exemple un écoulement de sang au sein d'un cathéter ou dans le domaine du médical, effectivement, tous ces fluides assez particuliers. Donc, quand même, un large spectre de fonctionnalités. Et on va venir enrichir donc ces capacités dites démocratisées de la CFD avec des nouvelles technologies basées sur les lattice Boltzmann qui vont plutôt là apporter des capacités de simulation plutôt des applications très turbulentes ou très transitoires. Et donc c'est ces deux capacités qui va enrichir l'offre de cette complémentarité. Alors, si on rentre un peu plus en détail maintenant, aujourd'hui, la CFD, beaucoup de nos clients nous disent que c'est un domaine d'experts et qui est très difficile de se mettre à la CFD. C'est le retour très fréquent qu'on a de nos clients. Mais aujourd'hui, effectivement, qu'est-ce qu'on va avoir comme retour? Pourquoi nos clients ne bascule pas de calcul structure à CFD. La principale raison, c'est la CFD, c'est trop long. Il faut une infrastructure CFD, une infrastructure hardware très très forte, peu d'intégration avec la CAO, modèle trop approximé, non prédictif. Donc c'est tous ces challenges-là qu'on va essayer de démystifier et que la plateforme se propose de démystifier. Donc, on va retrouver ces quatre grands thèmes, hein. La continuité digitale, comment être en capacité de très rapidement itérer sur des designs et le lier à la simulation. La courbe d'apprentissage, trop difficile de passer du calcul de structure à la CFD, ça nécessite d'être spécialiste dans ce domaine-là. Donc, on va voir comment la plateforme peut répondre à ça. Les précisions. Effectivement, bah, il faut s'équiper de solutions reconnues dans le marché historiquement, qui sont des fois très chères. Il faut les solutions actuelles ne répondent pas aux besoins, aux challenges de nos métiers. Donc, avoir quand même une solution aboutie en termes de fonctionnalité. Et puis, bah, le point qui vient assez fréquemment aussi, c'est avoir un environnement hardware assez performant pour pouvoir adresser les problématiques de CFD très, très gourmandes en calcul. Donc, on va balayer ces quatre thèmes. Donc, la partie intégration CAO, aujourd'hui, si on prend un cas classique dans l'automobile, hein, c'est ici sur le calcul du water jacket dans l'écoulement, dans un bloc moteur. Donc, le workflow au sein de la plateforme va être assez clair. Donc, on va partir d'une géométrie morte ou native, hein, bien sûr. Donc, on va définir la veine fluide. Donc là, on va voir par la suite que ça se définit maintenant totalement automatiquement. On va définir nos propriétés de simulation. Donc ici, bah, on va plutôt faire ce qu'on appelle un calcul de CHT, conjugué et transfert. On va prendre en compte les phénomènes thermiques sur la structure et les commandes de fluide et l'interaction entre les deux.
Un des challenges, souvent, c'est la partie maillage. On veut que ce soit rapide en termes de maillage. Lancer le job. On verra qu'on pourra lancer le job en local, sur notre hardware, mais également sur le cloud. Le post-traitement. De plus en plus, les modèles sont très, très gros. Il faut avoir des capacités, des technologies maintenant avancées pour pouvoir post-traiter, visualiser les streamlines, qui nécessitent des fois des cartes graphiques très performantes. Et surtout, et le point le plus important, être en capacité de très rapidement pouvoir réitérer, modifier le design et se limiter et avoir une associativité, je dirais, par rapport à la simulation qu'on a prédéfinie au départ. Donc, c'est ces boucles-là qui peuvent prendre beaucoup de temps et dans certains codes nécessitent de repartir de zéro, refaire tout le travail de maillage qui peut être très long et fastidieux. Donc là, c'est là où effectivement la plateforme va permettre d'apporter cette continuité digitale et apporter également la partie optimisation paramétrique. Donc là, par exemple, c'est une simple vidéo qui va vous montrer la capacité de lancer donc un plan expérience. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement natif et simple de mettre en œuvre une optimisation paramétrique. On va modifier nos profils de veines fluides et essayer d'optimiser le perte de charge, par exemple. Donc l'environnement est très convivial. Donc ce que vous voyez à l'écran, c'est pour ceux qui connaissent les produits de Simulia, c'est la technologie derrière, c'est EyeSight. Donc dans un environnement beaucoup plus convivial, qui vont nous permettre de lancer un plan d'expérience, de l'optimisation, de créer des surfaces de réponse et donc d'aider à la décision pour trouver les solutions optimales. Donc ici, on est venu lancer un plan d'expérience, on analyse les différents résultats, on va pouvoir visualiser les résultats soit sous forme de scalaire de performance, soit visuellement, de comparer les différentes solutions obtenues et donc guider à la décision vers le meilleur résultat. L'objectif étant ici de minimiser totalement le temps de mise en œuvre et de focaliser sur notre cœur de métier en tant qu'ingénieur, qui est l'analyse des résultats et la compréhension des physiques pour choisir et pour orienter le design final. Donc, ce que vous voyez effectivement, c'est la capacité d'optimisation dans un calcul CFD réalisé au sein de la plateforme. Et tout ce que vous avez vu à l'écran a été réalisé au travers d'un navigateur web. Donc, la partie post-traitement se fait de manière très simple grâce à ce navigateur web. Donc, l'objectif de la plateforme, je pense que ça vous en êtes conscient, la plateforme pour expérience a pour but d'être d'offrir une continuité digitale totale. Donc là, clairement, c'est une barrière qui est très très facilement franchie. Le deuxième point, c'est la courbe d'apprentissage. Effectivement, on a tendance à dire, se mettre à la CFD, c'est complexe. Ça nécessite une expertise bien spécifique dans ce domaine de la mécanique des fluides. Et donc là, pareil, la plateforme en termes et au travers du rôle Fluid Mechanical Engineer va guider l'utilisateur au travers d'un simplement d'un workflow qui est prédéfini, qui va faciliter en 5-6 étapes la mise en œuvre de la simulation. Donc ça, c'est vraiment pour démocratiser et guider l'utilisateur qui sont pas forcément amenés à faire des simulations tous les jours. Ils peuvent faire des simulations plutôt 2-3 fois par mois. Donc il faut qu'ils soient dans un environnement très simple d'utilisation. Un des points les plus bloquants aussi, c'est en termes de simplicité, c'est le maillage. Si effectivement on passe la moitié de notre temps à faire le maillage, ça peut être un vrai frein à la démocratisation de la mécanique des fluides. C'est là où Dassault a très fortement investi des développements pour avoir un maillage performant, donc basé sur ce qu'on appelle un hexadominant mesh, c'est-à-dire que son but c'est de principalement définir une sorte de maillage hexa structuré avec sur les zones frontières, donc une transition avec des éléments tétra. Et bien sûr, les couches limites qui sont sur les frontières de notre modèle. Donc l'objectif ici, il est double, c'est la simplicité
d'utilisation, mais également la performance, c'est-à-dire réduire le nombre d'éléments qu'on peut avoir et donc augmenter, enfin accélérer les temps de simulation. Donc concrètement aujourd'hui, si je vous montre déjà ces différents points en action, ici on est sur la plateforme, donc un seul point d'entrée, collaboration. Ici, donc on est totalement lié. Je vais mettre quand même des stops sur certains points de la vidéo. Donc on est totalement lié à la CAO, c'est-à-dire que là on peut avoir une revue de notre maquette, voir où ont été, quelles sont les pièces qui ont été simulées, est-ce qu'il y a eu des mises à jour qui ont été faites sur le design qui nécessitent de faire un update de la simulation. D'accord? Donc là on a l'information qui est attachée à notre objet. Ici, donc, on nous dit qu'effectivement, on a des simulations qui sont associées à l'objet. Donc là, on va basculer sur la pièce qu'on veut simuler. Et alors là, c'est en accéléré, certes, mais on voit toute la mise en œuvre du calcul de CFD qui va être réalisée au travers de l'assistant. Donc, on va définir notre zone fluide. Donc là, on part de la géométrie. Il va créer automatiquement, extraire la zone fluide, on associe le matériau, on définit donc les pressions d'entrée et de sortie, qui sont les conditions et les chargements de notre modèle, on lance notre simulation et on va venir post-traiter les résultats. Donc là, effectivement, c'est un accéléré, mais on a vu toutes les étapes de simulation. Donc la partie, je dirais, la plus fastidieuse parfois en CFD, c'est la partie maillage. Et donc là, ça a été complètement transparent dans la mise en œuvre. L'objectif aussi, c'est de pouvoir très rapidement modifier le design. Donc là, effectivement, bah, on est sur la même donnée. On a juste fait une révision de notre design initial. Donc le designer, par exemple, a modifié le design par rapport à des préconisations et a légèrement modifié ici le coude. Et donc on veut très rapidement relancer une variante de simulation. Et donc là, bah, vu qu'on est sur la même donnée, on a juste à rebasculer sur une autre attestation de simulation et recliquer sur simulation. Et donc, bien sûr, c'est là où on va pouvoir mettre une surcouche d'optimisation si on est sur une démarche d'optimisation automatisée. Et à la fin de cette vidéo, on voyait effectivement l'exécution qui a été faite sur le cloud. Je reviendrai là-dessus par la suite. Alors, effectivement, là, l'idée, c'est de guider l'utilisateur pour avoir une courbe d'apprentissage beaucoup plus haute. Le troisième point, où on va rentrer un peu plus dans la technique, c'est la précision. Effectivement, par précision, c'est aussi donc la robustesse du solver. Comme je vous disais, Dassault a très fortement investi en termes d'équipe développement pour enrichir de fonctionnalités les technologies existantes depuis 2019. Donc, c'est vraiment là-dessus que, en tout cas nous, Kionis, on essaie de vous communiquer bah, ces capacités qui évoluent très très vite hein, par rapport aux versions précédentes. Donc aujourd'hui, en termes de capacité, on est en capacité de faire des simulations stationnaires avec des solvers itératifs robustes et qui apporte des convergences rapides, c'est un point très important, il faut que le solver soit performant, sur aussi capacité de simulation en transitoire. En termes de type d'écoulement, on sait bien sûr faire des écoulements laminaires ou turbulents, comme je disais, des comportements de fluide newtonien ou non-newtonien, et les capacités natives de réaliser des couplages de type conjugué et transfert, avec un maillage conforme ou non conforme. En termes de type d'écoulement, donc on s'est adressé les problématiques incompressibles, mais maintenant aussi les applications compressibles. Et plus largement, si on rentre un peu plus dans le détail, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Des écoulements avec une approche VOF, Volume of Fluid, qui vous permet d'avoir des surfaces libres, comme on le voit ici à l'écran. Définir des médias poreux, par exemple, on vient discrétiser un système de catalyseur et modéliser le comportement du catalyseur au travers de médias poreux. On sait également réaliser, donc, prendre en compte les
des pièces tournantes au travers des technologies multiple reference frame. Donc voilà. Donc on a vraiment, enfin, Dassault a très fortement enrichi ces années de capacités qui adressent, je dirais, les applications standards aujourd'hui de CFD. Donc ça, c'était en termes de fonctionnalité. En termes de fiabilité, bah, il faut que le solver soit fiable et soit prédictif. Donc là, il y a un très gros effort pour s'assurer que on a des scénarios de corrélation par rapport à des essais qui sont réalisés sur la technologie. Et donc là, c'est toute la partie validation du solver CFD. Donc là, on voit différents cas d'application. On vient valider la précision du solver. Donc là, d'autres cas d'application, de sloshing par exemple, ici, ou d'interaction fluide-structure, où on a une corrélation calcul-essai très très prédictif. Donc, ça c'était la partie précision. Il nous reste maintenant la partie cloud computing, enfin calcul, je dirais, c'est notre dernière barrière à passer, c'est effectivement être. Comment adresser ces challenges de CFD qui nécessitent des fois 32, enfin 16 cœurs, 32 cœurs, et on n'a pas forcément cette capacité hardware chez nous. Donc, et également, se dire, bah, la CFD, je vais avoir quelques cas dans l'année. Est-ce que j'ai besoin de faire l'acquisition d'une licence pour toute l'année pour adresser ces quelques cas? Donc c'est là où Dassault propose au travers du cloud et leur système de licence, donc deux axes. D'abord se dire, bah, lorsqu'on veut faire de la CFD, donc on a un besoin standard, donc qui va nécessiter des jetons, mais on va avoir des pics de charge ou des gros modèles à faire passer qui nécessitent une puissance de calcul plus forte. Et donc là, Dassault propose le cloud computing et avec un système de licence, de crédit, qui permettra à décréter ces pics de charge. Donc on va avoir nos licences classiques sur nos jetons, mais également des crédits qui vont permettre d'adresser à la demande ces pics de charge. Donc ça veut dire qu'en termes de packaging, aujourd'hui donc le rôle Fluid Dynamics Engineer aujourd'hui propose nativement la capacité de lancer les calculs sur 8 cœurs. Donc, vous aurez au quotidien la capacité de lancer autant que vous voulez des calculs sur 8 cœurs. Maintenant, vous pouvez enrichir votre besoin par des crédits qui vont venir on top de vos jetons, pouvoir écréter ces pics de charge. Donc, ces crédits, ce sont des consommables qui vont être consommés à la demande. Pour faire simple, hein, vous achetez 1000 crédits en début d'année et vous allez les consommer. Si vous vous rendez compte qu'au bout de 3 mois ou 6 mois, vous avez consommé tous vos crédits, vous pouvez en rajouter. Donc, la solution, effectivement, 3 d'expérience, donc, permet d'être déployée soit chez vous, mais plus classiquement sur le cloud et offrira donc ses capacités de cloud computing, c'est-à-dire que lorsque vous lancerez vos calculs, vous pourrez les lancer en local ou au travers des crédits, dire bah, je vais utiliser des crédits pour lancer non pas le calcul chez moi, mais sur l'infrastructure cloud, et donc du coup pouvoir lancer des calculs sur 16, 32 cœurs par exemple. Donc ça vous permet d'éviter d'acquérir une infrastructure hardware assez conséquente. Donc ces crédits-là, aujourd'hui, on propose différents packages, ce qu'on appelle les SIM Cloud, donc 100, 250 ou 500 heures, qui représentent un certain nombre d'heures. Grosso modo, si vous prenez le SIM Cloud 250, vous aurez environ 250 heures de calcul, avec derrière 200 gigas de stockage également, par exemple, à l'accès au cloud post-processing qui permet de post-traiter au travers du HPC, donc du calculateur, les résultats et rapatrier uniquement les frames. Donc ça, c'est aussi pour gagner du temps en termes de post-traitement et éviter de rapatrier tous les résultats. Donc voilà, voici les quatre barrières, je dirais, qui ont été déverrouillées. Très rapidement, la partie co-simulation, effectivement, c'est de plus en plus ces challenges qu'on voit au travers de nos problématiques clients. L'objectif, effectivement, c'est d'adresser des problématiques de plus en plus complexes, avec des interactions fortes entre le fluide et la structure, voire même
avec la partie contrôle, comme je disais, avec l'outil d'Imola qui permet de par exemple stabiliser une structure en couplant la fluide, la structure et le système contrôle. Donc cette interaction flux structure qui devient native au sein de la plateforme. Ou tout simplement des applications plus classiques, hein, dans le domaine de l'automobile, par exemple, on va faire du calcul de CHT sur des blocs moteurs. Ça, c'est des applications très standards qui peuvent être adressées au travers du rôle Fluid Engineer Mechanics. Donc voici quelques scénarios ici. Hein. Donc on est sur une application plutôt orientée batterie. On va faire un calcul thermique sur un pack de batterie avec une partie contrôle qui va être faite sur Dimola et transmise au travers d'un formalisme qui s'appelle le format FMI qui va permettre de faire cette co-simulation et donc de se retrouver avec donc un modèle thermomécanique, donc CHT, avec une partie contrôle qui peut être intégrée dans un process d'optimisation pour optimiser par exemple le système contrôle pour stabiliser la température. Voilà un usage très classique qu'on va pouvoir faire avec la plateforme de manière très native. Donc voilà. Donc pour résumer aujourd'hui, le rôle Fluid Mechanical Engineer, à qui il s'adresse? Il s'adresse à plutôt des profils de personnes qui font du calcul de structure et qui veulent adresser des problématiques de CFD qui sont de plus en plus récurrentes. En termes de capacité, nous ne sommes pas sur un outil de pré-design, comme on peut le voir à la concurrence, qui propose vraiment des outils d'aide et d'orientation et design. Là, on est sur des outils prédictifs, donc qui sont fiables en termes de qualité de résultats, mais qui reste quand même un environnement simple d'utilisation. Donc les applications, c'est tout ce qui est conduite d'air, HVAC, calcul thermomécanique sur le système de batterie, catalyseur, exhaust system, donc tout dans le domaine powertrain. Donc voilà les applications classiques qu'on peut avoir dans les industries transport et mobility. Donc automobile, aerospace. Par exemple, on va pouvoir faire des écoulements de confort passager, d'avoir donc ce qu'on appelle le pathogène transport, donc évaluer le déplacement d'une particule dans un environnement clos. Toutes les applications électrique, thermoélectrique, avec la capacité de définir des ventilateurs, donc avoir en inlet un comportement de type ventilateur, voire même avoir des applications un peu plus globales, mais là je dirais qu'on s'éloigne un petit peu plus du domaine d'application de ce rôle-là, mais par exemple l'écoulement dans une ville, donc les effets du vent. Donc là, ce sera plutôt, on se rapproche plus des applications de Xflow. Donc parfaite transition du coup. Donc on a vu effectivement les cas d'application classiques de Fluid Mechanical Engineer. Et effectivement, Xflow, par nature, est un code transitoire, est là pour simuler les phénomènes très turbulents. Donc on va pouvoir avoir des capacités beaucoup plus fortes en termes de simulation. Et avec la capacité aussi d'avoir une interaction fluide structure de pièces tournantes, donc beaucoup plus forte que ce qu'on peut avoir sur les approches basées sur le maillage, parce que ici, effectivement, on se base pour une approche particulière. Donc, comme je disais, hein, technologie totalement différente, Lattice Boltzmann. Donc, les applications classiques, c'est les entrées d'air moteur, ça va être le système éolien. Donc, des phénomènes très très turbulents. Tout ce qui est projection de jet. Alors, projection de jet, ça peut être aussi tout ce qui est lubrification. Donc là, on a différentes vidéos. Ça peut être par exemple l'écoulement d'un fluide, la proxy. D'un jet. Ici, cette vidéo est très intéressante parce qu'on montre l'interaction entre la partie structure et fluide. Donc là, des applications beaucoup plus transitoires, courtes, adaptées à ce genre d'application dans Xflow.
Ou des applications plus globales dans le domaine du offshore, par exemple, ou de la simulation de bâtiments internes ou externes, donc tout ce qui est aérodynamique et aéroacoustique. Donc voilà, aujourd'hui, comment se positionne Dassault? Dassault devient un vrai fournisseur de solutions de mécanique des fluides avec, au travers des différentes acquisitions qui ont eu lieu, de nouvelles technologies qui apportent une rupture technologique, mais aussi au travers des méthodes dites standards et démocratisées, qui sont les équations Navistock, qui a pour but d'être démocratisée à l'ensemble des utilisateurs, mais en gardant toujours, qui est le leitmotiv de ce système de simulation, une modélisation réaliste, donc prédictive et précise. Et nativement multiphysique, c'est-à-dire pouvoir faire du fluide structure, pouvoir faire très facilement la simulation 0D 1D. Et la démocratisation passe par un nouveau système de licence, le HPC par exemple. Donc se dire, j'ai plus besoin d'avoir du hardware chez moi, je peux utiliser le cloud pour lancer mes calculs. Donc une vraie démocratisation par rapport à ça. J'en ai fini pour ce webinaire. Mardi 12 mars, pour information, vous pourrez retrouver donc un nouveau webinaire qui est ici dédié plutôt au calcul de structure au trait d'Abacus et qui vous apportera plus d'informations sur les améliorations d'Abacus pour adresser des modèles de très grosse taille. Donc là, on va parler de 100 millions, 200 millions de degrés de liberté au travers des technologies du GPU, du solver itératif. Donc il y a beaucoup d'améliorations dans les dernières versions d'Abacus qui ont été apportées. Le calcul de contact linéaire qui permet de gérer mieux les assemblages. La partie maillage et post-traitement avec le HPC, comme ça a été évoqué aujourd'hui. Et du cloud computing. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à ce prochain webinaire. Et si vous avez des questions, écoutez, on peut se donner quelques minutes pour adresser vos questions. Donc, vous pouvez passer par le chat. Alors, je vais essayer de prendre les différentes questions. Alors, je prends la première question qui est donc, existe-t-il un outil de simulation pour simuler les changements de phase? Alors, quand je comprends cette question-là par un changement de phase de type passage de l'état liquide à l'état gazeux, par exemple. Aujourd'hui, effectivement, c'est un domaine où aujourd'hui Dassault n'a pas de solution pour le moment. Donc, effectivement, cette notion de changement de phase n'est pas disponible pour le moment dans l'offre de ce système. Je continue sur les autres questions. Y a-t-il une limite sur les tailles de mailles? Pas particulièrement. Effectivement, là-dessus, Dassault a travaillé très fortement sur la partie pré-processing et post-processing. Donc, le post-processing pour pouvoir très facilement post-traiter des résultats, et on a vu des use cases, alors, que ce soit dans la structure, dans la CFD, où on pouvait. Il nous fallait par exemple presque 5-6 heures pour juste ouvrir et animer les résultats. Et là, on utilise des technologies du HPC pour optimiser ça. Et pareil pour le maillage. Donc, on peut mailler classiquement, comme vous avez pu le voir dans les vidéos, ou on peut lancer le maillage sur le HPC. Donc, pareil pour pouvoir mailler des très très gros modèles, on peut utiliser les technologies d'HPC pour passer la barrière, non pas de la taille, mais sur le temps de maillage qui peut être très très long si on est sur des très très gros modèles. Comme je disais, maintenant on parle de modèles à 100, 200 millions de degrés de liberté. Donc je dirais pas de limitation. Les limitations vont venir effectivement sur la partie software ou plutôt hardware, pardon, pour en termes de mémoire. Il va falloir des machines qui ont un certain nombre de mémoire pour pouvoir gérer ce genre de modèle. Mais il faut effectivement monter en gamme sur la partie hardware. Alors, je remonte sur les différentes questions. Sur la partie CHT, est-ce que la radiation est prise en compte? Tout à fait. Effectivement, c'est des évolutions qui ont été mises en place, je crois, il y a une ou deux releases, lorsqu'ils ont intégré nativement le CHT
parce que jusqu'à il y a deux releases, si je ne me trompe pas, la CHT se réalisait de manière en co-simulation. Donc on faisait deux simulations, thermique et commande fluide, de manière dissociée avec une interaction. Là, c'est natif au code CFD. Et effectivement, la radiation est prise en compte. Eh bien, écoutez, je crois avoir répondu à l'ensemble des questions. Si vous n'avez pas d'autres questions, bon, je vous propose d'arrêter le webinaire. Et si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à nous contacter directement, soit au travers de notre équipe commerciale, soit directement à l'adresse que vous voyez ici, donc david.nasilva@konisk.com, ou si vous voulez plus d'informations sur le packaging, le prix, ou mettre en place ce genre de solution chez vous. Nous sommes là pour vous accompagner. Eh bien, écoutez, merci bien. Bon appétit et donc à très bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir.